Laurent Cabrol fête ses 76 ans. Ses rares confidences sur ses 3 enfants adoptés. Laurent Cabrol souffle ses 76 bougies ce samedi 13 mai. L'occasion de revenir sur les confidences de l'ancien animateur de TF1 au sujet de ses enfants et particulièrement de son fils Julien, adopté aux Philippines. Il a 4 ans, il est dans vos bras et pleure. Ce sont ces moments à la fois merveilleux et dramatiques, a-t-il expliqué. Laurent Cabrol évoque l'adoption de son fils Julien. Laurent Cabrol a également révélé les raisons qui l'ont poussé à avoir recours à l'adoption. J'avais fait un reportage en haute volta sur les gens qui allaient faire des puits pour les Africains qui n'ont pas d'eau. En revenant, j'avais vu tellement de malheur que je me suis dit, c'est quand même bête, j'ai tout ce qu'il faut. À ce moment-là, il y avait une filière d'adoption aux Philippines, je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer. C'était avec ma première femme. On a fait toutes les démarches, ce n'était pas simple. Il a fallu 2 ans de démarches pour avoir un petit enfant. L'ancien monsieur météo de la 2 a finalement révélé que son fils habite à Nantes et a fondé une famille. De quoi rendre encore plus fier Laurent Cabrol.